me, the mountains of Switzerland are at their best in summer. Green, dazzling, towering, and beautiful. But Switzerland is more than just scenery. Apart from being world famous for cheese, chocolate, and cuckoo clocks, secret police, perhaps? Maybe. Swiss police, positively. And other items of what I call very definite interest. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only, I never need to hide. Unfortunately, the light has gone. Start. The sun shines most of the time. It just happens to be one of those days. Which is why I was picking and fumbling my way down like a sightless man. Over here, if you point in that direction, try it. That's Rudy Bullinaire. Here's the man responsible for my bad skiing. No, Rudy took me as a rank amateur at the age of 50. And gave me the courage to come up and down these slopes, which I trust you'll all visit someday. Now, I think it's down the hill for a quick drink at the Alden. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only, I never need to hide. Here we are, about to have the beer I promised myself in the Olden. Grazie, Johnny. This is the Olden, which is the oldest hotel in Stadt. And Hedy Donizetti, who owns the place, is just finishing off pouring my beer. Hedy? Yes. Cheers. Cheers. Roger Moore, Blake Edwards, Elizabeth Taylor, Hollywood gibt sich Ingstadt die Ehre. Diese Gläser bemalt übrigens die Wirtin vom Olden, Hedy Donizetti selber, und das mit viel Liebe. And the reason for your visit? I like Geneva. Ah, you're up to something. Scout's honor. C'est toute la station de Montana qu'on survole actuellement. Des taxis hors du commun dont Roger Moore et sa femme peuvent bénéficier tous les hivers. On s'assoit là. Depuis 1995, l'acteur mythique de James Bond vit à Grand Montana. Il a vendu sans regret le chalet qu'il possédait à Gstaad. Grand Montana, c'est le paradis ? Mieux, c'est la maison. I find it's much easier to... C'est plus simple ici d'avoir une vraie vie sociale. À Gstaad, il y a beaucoup de soirées, mais c'est très guindé, très prétentieux. Ici, les gens sont décontractés, normaux. Comme il était là, Roger Moore va bien sortir un peu du chalet de Gstaad. Et alors là, c'est l'un des restaurants du palace qu'il choisit pour faire la fête. Un rendez-vous réussi puisque les personnalités les plus prestigieuses du jet set étaient là. Il y avait aussi le meilleur champagne et le meilleur foie gras. Bref, toutes les conditions étaient réunies pour passer une soirée de rêve au palace de Gstaad. My mother learned to prefer the capitalist way of life. She would not go back to the Soviet. The
Je vous retrouve au moment du baptême de cette A320 Grand Montana, de la maquette. En tout cas, rassurez-vous, vous allez voir le vrai dans quelques instants. Mais d'abord, je vais rejoindre un ambassadeur de prestige de la région. Monsieur Roger Moore, Sir Roger Moore, pleased to meet you. This new airplane. En quelques mots, qu'est-ce que ce nouvel avion représente pour vous ? Cet avion en particulier, eh bien, c'est un bel avion. C'est la première fois qu'on me demande d'être le parrain d'un avion. Je suis absolument ravi. J'espère seulement que je ne devrais pas être un parrain qui achète des cadeaux tous les ans à son filleul. Vous êtes impliqué dans la vie du village, on sait que vous appréciez le grand air, vous faites la tournée des restaurants, vous êtes un gastronome qui a ses petites habitudes. Vous dites gastronome ? Ah, vous pourriez aussi dire petit goinfre, tellement j'aime ça, on a beaucoup de chance ici à Cran. C'est un lieu très agréable pour vivre ici, pour manger et pour boire bien sûr. Okay, thank you. Merci, on vous souhaite un bon prochain voyage en avion. Et nous allons découvrir à quoi ressemble cet avion et surtout pourquoi il a été baptisé ainsi. C'est un reportage de Jost van Reding et Claudine Gaillard-Torrent. I got it. May I look? Down there. It's not going to be easy. Roger Moore, 007, avait l'habitude de m'appeler, qui était mon client en tant que moniteur de ski et autres. Il m'appelait J'organise, J'organise. Ah, Roger, c'était quand même quelqu'un, hein, je veux dire, c'était un personnage extraordinaire. J'ai d'ailleurs dit à la presse anglaise, quand ils posaient question, si le mot gentleman est dans vos dictionnaires en Angleterre, c'est parce qu'un jour il y a Roger Moore qui est né. Donc j'ai eu énormément de chance, je veux dire, c'est vrai.